moi d'ici. Ok. Oh, Pierre, il y a quelqu'un. Dani, Réal, c'est moi, Serge 22. Je suis un des personnages qui vit dans ton subconscient depuis des années. Et crois-moi, Réal, tu as un imaginaire débordant. Serge 22 vous ressemble. Écoute, c'est pareil, ça a tellement marché, là, dans une galaxie. Ça a marqué tellement d'univers. Comme ça a marqué le mien, ça, les gobelets, les égrégores. Aujourd'hui, Réal, on va revisiter ton imaginaire. Bienvenue dans la tête de Réal Bossé. Oh mon Dieu, c'est bon. C'est moins courageux, ça. Non, il sert à quoi de s'appeler, ces robots-là, ça. On rentre dans sa tête. Hey, salut, Réal. C'est moi, Michel Landry. J'ai envie de te serrer dans mes bras et de te donner un gros bec. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous voyez? C'est qui, Michel Landry? C'est la première fille qui me courait après. OK, puis tu te sauvais? Ben, passant, non, je pensais mes récréations à sauver. Il y a 6 filles, Michel en tête, qui voulaient juste me tenir de main. Hey, non. Ben, c'est ça. Fallait-tu être épais? Les 6 filles qui te couraient après, je me sauve, le cave. J'avais cute quand j'étais petit. Souviens-toi à lorsque tu étais à la petite école de Rivière-Bleue dans le Témiscouata. Comme tu aimais faire les spectacles de fin d'année. J'aimais ça m'engager dans tout ce qu'il faisait comme show. Et ça, Irène Vaillancourt nous avait dit, on va faire un tableau vivant. Et là, on avait chanté ça, je l'entendais, puis je la chantais avec, tu m'en suis encore. Lorsque tu soupires. Oh. Réal, suis-moi. On va où? Ben, je suis là. Demande-moi si tu peux refuser. Ben, écoute, c'est sûr que je chante. Mais, hein? Je pense que c'est de la tire. Glacier Sainte-Catherine. Oh, terrible roi, tu m'as coupé la tête. Désormais, je veillerai sur toutes les vieilles filles qui brasseront la tire Sainte-Catherine en souvenir de la reine Catherine assassinée par ce vilain roi. Je faisais un show, c'était moi le roi. Okay. Puis Catherine, j'ai coupé la tête. T'imagines, j'étais en deuxième année, là, on n'était pas politique avec Saint-Saëns. Fait j'étais le roi, puis je chantais la toune. Catherine était fille, était fille de roi. Puis j'ai coupé la tête, c'était ça notre show. Deuxième année. Mes parents veulent qu'on compte. Vous faites vivre un gros voyage. Il se compte toujours des histoires dans cette tête-là. Dans ma tête à moi, ce qui se passe, c'est. C'est une tête des créateurs. Hein. Salut Réal, je suis Serge 23, le nouveau robot amélioré. Suis-moi. Oui. Ça m'arrive de peindre et de faire du mème aussi. C'était le fun au bout parce qu'il mimait quelqu'un qui peint. J'ai souvent fait des improvisations de peintre et il faisait comme, je les faisais de même. Hi, honey. Tiens, ça va te porter chance. J'ai toujours rêvé à Clint Eastwood. J'aimais les films de Sergio Leone, j'aimais ça au bout. Tu sais, le gars, tu sais, Clint Eastwood avec son ego. Écoute, puis un jour, on m'a donné des revolvers en des caisses, et j'étais Clint Eastwood. Bon, j'avais pas le cheval, mais j'étais Clint Eastwood. Ouais, puis un jour, mon frère, Jeannot, il m'avait acheté un poney, un petit cheval. Écoute, là, j'étais devenu Clint Eastwood. Écoute, dans ma tête, là, c'était ça. Et c'est là que j'ai voulu devenir acteur, mais je me disais, là, ça se peut pas. Là. Écoute, j'ai trippé ce cheval-là, puis avec ce cheval-là, là. Hé, hey, bon, je l'ai chez vache en cheval. Un vrai cowboy. Cowboy! De ton subconscient, on a retrouvé des roches, ouais. Des tonnes de roches,
comme celle que tu ramassais lorsque tu étais tout petit et celle que tu devais ramasser dans le champ de ton père en venant à l'école. Mais pour que ton calvaire s'arrête, tu rêvais. Tu rêvais à de la pluie. Si on travaille fort, c'est le père. Puis quand il fait beau, on travaille. Puis quand il mouille, on travaille pas. C'est une super vie. Tu levais donc les mains. Et là, tout le monde boitait. On espérait, en levant la main, elle doit tomber de l'eau. Ça n'a jamais vraiment marché, à mon souvenir. Mais là, je lève la main, tu t'attends pas à ce qu'il mouille dessus. Tu sais, tu dis ça une fois dans ta vie, là, tu penses pas que ça fera des petits, mais ça se ramasse aussi tellement de ville. Et tout le monde le fait. Et tout le monde crie, tout le monde plaide. C'est vraiment bien. Léal, ce parc est tout nouveau ici à Mandeville. On y a rêvé longtemps avant de l'avoir. Et j'aimerais te dédier aussi un beau banc en ton nom, parce que dans la vraie vie, un jour, tu es passé par ici. Il arrive juste dans cette discussion que les gens s'installent et qu'ils disent, OK, on va travailler pour l'artiste qui va venir voir dans notre village. Puis de voir des jeunes, des vieux, toutes sortes de monde. Donc, c'est pas le métier de faire ça. Je te parle pas plus longtemps, puis en passant, j'ai besoin de vacances, là. Trouve-moi quelque chose pour me relaxer, je sais pas, j'ai besoin de ça. OK, je te parle pas plus longtemps, ouais. Il y aurait pas ça ici comme un spa à Mandeville, je sais pas, moi, c'est... Hein? Spa naturo, 12 kilomètres. Ça va faire du bien. C'est dans un site enchanteur entre monts et merveilles, aux abords de la réserve faunique Mastigouche, que s'écrit l'aventure de spa naturo. Dès votre arrivée, l'air pur et vivifiant des montagnes vous insufflera une énergie nouvelle. L'établissement compte un bain turc, un sauna finlandais, 3 bains tourbillons, un tipi, une yourte, une chute d'eau nordique et une salle d'aromathérapie. Pour ceux et celles qui désirent vivre un moment de calme et de détente en plein paradis. On vous souhaite la bienvenue au Mastigouche Fishing Game Club. Imagine-toi donc, en 1962, le prince Philippe, le mari de la reine Élisabeth, est monté ici pour taquiner la rue.